je vais commencer par la fin, parce que justement, ce monde-là, par métaphore, il faudrait en finir. Est-ce que c'est ce qu'on peut traduire par « jusqu'au bout du monde » et cette phrase de fin qui est dite, justement, d'en finir avec ce monde-là et ce type de situation qui tue justement la civilisation. Bon, le titre en français, ça va être la même chose en Espagne, « Hasta el fin del mundo ». Et c'est surtout parce que c'était impossible de faire une bonne traduction du titre en anglais. « The dead don't hurt » veut dire deux choses. Que les membres ne peuvent pas faire du mal et ils sont pas le douleur. On ne peut pas traduire ça en français. Et puis on a pensé que, comme vous dites, qu'il y a deux, trois fois qu'on écoute une phrase similaire dans le film. Et c'était, à notre avis, une bonne idée. Non, mais c'est pas la traduction littérale du mot, du titre, c'est surtout justement d'en finir avec ce monde dans lequel nous vivons. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, ces personnages, comme les personnages qui commettent des actes qui sont répréhensibles, c'est vrai que c'est avec ça qu'il faut en finir. Moi, je pense, j'ai pris ce film comme ça. Ouais, on vit dans l'espoir. Mais c'est jamais possible. Ça va jamais possible d'éliminer le mal, ni le racisme, ni toutes les choses terribles que les êtres humains sont capables de faire. C'est la leçon qu'on doit commencer à nouveau avec chaque nouvelle génération. Et c'est ça qu'on imagine que le père va faire avec ce petit garçon à la fin.